Eh bien, recyclez maintenant. L'archive du mois de mai 2021 est signée Grégoire Chamaillou, philosophe et éditeur. Une archive qui résonne dans l'actualité. Nous recyclons peu, et pas toujours chez nous. France 5. Pendant longtemps, la France a exporté des déchets plastiques vers l'Asie. La face cachée du recyclage, 25 avril 2021. Nous avons enquêté en Indonésie, il y a 2 ans, dans un village qui croule sous les détritus. Pour une partie, ce sont des déchets locaux, mais pas uniquement. 900 000 tonnes de déchets plastiques importés en Malaisie en 2018 et plus de 400 000 en Thaïlande comme au Vietnam. Après la publication du rapport de l'ONG Gaïa en 2019, les médias européens et américains se sont précipités pour aller voir les poubelles du sud-est asiatique. Avec un angle qui a un peu choqué la corédactrice malaisienne du rapport de l'ONG. Les journalistes étrangers sont tout excités quand ils trouvent un déchet qui vient de chez eux dans une décharge. Alors dans ce tas de déchets, visiblement, il y en a pas mal qui viennent de France, ou en tout cas qui ont été fabriqués dans notre pays. Là, on a un emballage d'une marque de stylo. Et ici, on a une marque de sport très connue dans notre pays. Une bouteille d'eau minérale française. Pensez au tri. 100% recyclable. Et là, il y a une phrase qui est assez ironique. Cet emballage n'est pas conçu pour des transports longue distance hors d'Europe. L'archive du mois a été inspirée ce mois-ci par l'article d'Aude Vidal sur le déferlement de déchets plastiques en Asie du Sud-Est, pages 6 et 7 du diplôme de mai. Perçu comme une solution plus écologique que la décharge ou l'incinération, le recyclage voit son aura ternie après la découverte des dommages occasionnés en Asie du Sud-Est. Loin d'être une solution, il s'avère en effet limité, complexe et coûteux. Aude Vidal détaille tout ça dans son article et rappelle qu'autrefois, l'emballage réutilisable restait du ressort des fabricants qui devaient en organiser la consigne. A l'inverse, l'emballage jetable déleste de fait les industriels de leurs obligations. Ils l'ont ainsi abandonné aux bons soins des collectivités. Voilà comment s'est imposé l'archive du mois. Un texte assez récent mais qui ne faisait pas encore partie du journal audio, la collection de nos articles lus. Signé Grégoire Chamaillou et inspiré de son ouvrage paru aux éditions La Fabrique en 2018. La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Il raconte cette histoire, comment la pratique du recyclage fut promue par l'industrie, qui trouvait le système de la consigne trop cher. Comment des industriels ont réussi à construire la question des déchets comme une affaire de responsabilité individuelle, déconnectée du processus de production, sans lien avec la réduction de la création de déchets à la source. Eh bien, recyclé maintenant par Grégoire Chamaillou, c'est l'archive du mois, lu par Jean-Michel Dumais. Par la fenêtre d'une voiture, une main lance un pochon qui va s'éventrer sur le bas-côté de la route. Les détritus se répandent au pied d'un personnage majestueux portant des mocassins. Un indien, coiffé d'une plume. Gros plan, il vous regarde, face caméra. Il pleure. Zoom sur la larme qui roule sur sa joue creusée. Voix off. La pollution, ça commence par les gens. Ce sont eux qui peuvent y mettre fin. Incrustation à l'écran. Keep America beautiful, faites en sorte que l'Amérique reste belle. L'Indien est la nature. Vous êtes la civilisation. Il est votre mauvaise conscience. Le subalterne ne peut pas parler, mais ses yeux ouverts le font pour sa bouche fermée. Cette Amérique virginale, antérieure à la colonisation, celle qui a été souillée, dévastée, génocidée, vous continuez à la blesser, et elle vous en fait le reproche muet. Puis vient le slogan. La cause de la pollution, c'est vous. Le remède, par conséquent, c'est encore vous. Tout est entre vos mains. Votre culpabilité, vous pouvez vous en soulager. Il vous suffit de changer de conduite. Qui se cache derrière le signataire de cet édifiant message publicitaire diffusé en 1971 ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Keep America Beautiful, fondée en 1953, n'est pas une organisation non gouvernementale œuvrant pour la défense de l'environnement, mais un consortium placé sous la houlette d'industriels de la boisson et de l'emballage, parmi lesquels Coca-Cola, et l'American Can Company, la compagnie américaine des boîtes de conserve. Aux États-Unis, il existait de longue date un système de consigne pour la vente de boissons. Le client déboursait quelques cents supplémentaires qu'on lui rendait quand il rapportait la bouteille vide. Ce système de réutilisation du contenant, à bien distinguer du recyclage des matériaux, on ne refondait pas le verre, on remplissait à nouveau la bouteille, est
était efficace, durable et minimisait les déchets. Les choses commencèrent à changer dans les années 1930. Au sortir de la prohibition, quand les affaires reprirent, les industriels de la bière inventèrent la canette en métal. Le passage à des contenants jetables ouvrait d'alléchantes perspectives, supprimer les coûts de collecte et de reconditionnement, éliminer les intermédiaires, dont les embouteilleurs locaux, concentrer la production tout en étendant la diffusion sur de grandes distances. Généraliser le jetable impliquait bien sûr d'accroître la production de déchets, mais les industriels s'en lavaient les mains. Au début des années 50, les fabricants de soda, Pepsi en tête, Coca-Cola à sa suite, emboîtèrent le pas aux brasseurs. Le basculement fut spectaculaire.